Et pour parler évidemment aujourd'hui du portail Radio Algérie. Bonjour Laïla. Bonjour Badr-Hadad. Vous allez bien? Très bien, et vous? Prête? Oui. Comme tous les jours de la comme semaine? Comme tous les matins. Voilà, et bien écoutez, à vous l'antenne. Donc voilà, dans Service Public Média, on s'intéresse, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Bédia Haddad, à donc Radio Algérie Multimédia. Nous avons parmi nous aujourd'hui Yasmina Farfouch. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'édition au portail de la radio algérienne. Donc, vous êtes responsable de cette vitrine qui met donc en lumière tout ce qui se passe à la radio. Exactement. Merci pour l'invitation. Peut-être qu'il n'est jamais assez d'en parler parce que ce qui me paraît très très important, c'est que bon, de nos jours, on peut pas échapper à la révolution numérique du net. C'est en train de complètement bouleverser nos vies et pour une entreprise de médias. Et de surcroît, de service public justement, puisque nous sommes le portail officiel de la radio algérienne, il est impératif, il est même vital d'être présent sur la toile, donc d'apporter quelque chose à ce monde, puisqu'il faut se placer sur la toile au niveau international et apporter du contenu, des aides. Voilà, donc nous sommes une petite équipe qui existe depuis et qui a évolué depuis... Pour expliquer aux auditeurs ce que c'est déjà, pour qu'ils puissent avoir une image là-dessus. D'accord. Et puis vous existez depuis 2008. Exact. L'aventure a commencé en 2008. Alors, c'est Radio Algérie Multimédia. Sur le net, c'est www.radioalgérie.dz. Donc c'est un portail. La différence entre un site et un portail, c'est que le portail, il englobe en même temps des sous-sites. Qui sont ceux de toutes les chaînes visibles sur le net. Tout à fait, toutes les chaînes, donc les chaînes nationales connues, la chaîne 1, la 2, la 3, la RAI qui est Radio Algérie Internationale, Al-Behja, et courant. Les chaînes thématiques Coran, Culture et Jeunes qui est Djil FM. Et aussi, nous avons accès à partir de ce portail sur les radios régionales. Pour le moment, il ne s'agit pas de site pour les radios régionales. Nous avons juste la possibilité, ce que je trouve extraordinaire, d'écouter en même temps, instantanément, ce qui se passe, ce qui se passe en direct sur les différentes chaînes dans chaque wilaya. C'est l'instantanéité, cette nouvelle, cette nouveauté apportée. Tout à fait. Voilà. Donc ça nous donne la possibilité d'être dans n'importe quel wilaya et écouter. Moi, je suis à Alger, je peux écouter ce qui se passe à Tamrast, etc. Alors, ce qu'apporte, vous allez peut-être me dire quelle est la particularité pour cette année 2018, puisque vous, chaque année vous apportez des ajustements. Oui, je voulais juste revenir sur un petit détail. Vous allez me dire peut-être qu'apporte le site pour la radio, la radio algérienne qui est bien connue. Sûr. Ce qu'il apporte déjà sur notre portail, nous avons le site news. Donc on a toutes les informations qui passent à l'antenne. Et donc les mêmes informations qu'on a dans les éditions, on les trouve sur le portail. Alors on prend évidemment pas nous forcément avons, puisque vous apportez des nouveautés et puis des exclusivités aussi. Tout à fait. Alors, nous avons... Excusez-moi. Alors, ce qu'apporte le site pour la radio algérienne, c'est que, un, on peut réécouter en podcast, ça veut dire les émissions qui sont déjà enregistrées. Donc quelqu'un qui était en route, qui était occupé, qui savait qu'il y a une émission qui l'intéresse particulièrement et qui pouvait pas écouter en direct, il peut aller au site et la réécouter au moment, tranquillement chez lui, au moment qu'il faut. Alors pour le streaming, c'est l'écoute en direct. Et c'est ça ce qu'apporte, j'allais dire, c'est vraiment stratégique, c'est d'écouter l'écoute sur le web. Voilà. Ça veut dire, moi, je suis citoyen algérien au Canada, ou aux États-Unis, ou au Mali, ou j'ai envie de savoir ce qui se passe dans mon pays. On va continuer donc avec la part du reportage au sein de la radio net. Parce que c'est vrai que vous faites des reportages, vous aussi. L'APS le fait maintenant. C'est un peu imagé, humanisé, apporter de la vidéo, de l'image au contenu du site. Vous le faites, mais avec peu d'effectifs. Oui, ça, c'est ce qu'on avait enregistré déjà en 2016. Vous n'étiez pas partout. Tout à fait. C'est pas possible d'être partout en même temps avec... Vous êtes une équipe très réduite. Réduite. On a deux, trois éléments, d'excellents éléments. Des jeunes très, très dynamiques et professionnels. Donc, ce qu'on apporte aussi, puisque nous avons...
notre chaîne YouTube. Oui. Donc, alors, à part, peut-être que les auditeurs et les téléspectateurs, ce qu'ils remarquent le plus, c'est ces passages, par exemple, des deux émissions phares de la matinale, les l'invité de la politiques. Rédaction. Voilà, nous avons l'invité de la rédaction de la chaîne 3 et nous avons Daif El Oula sur la chaîne 1. Oula, oui. Alors, ces deux émissions qui apportent, alors, elles sont très importantes. Pourquoi ? Parce que, un, nous avons un invité, c'est-à-dire qui est là, qui est identifié, qui a des missions bien précises et qui nous donne de l'info fraîche en direct. Ça veut dire en première main. Et souvent, nous avons des exclusivités. Qui sont reprises le lendemain par la presse, voilà, la plupart du temps. D'où l'importance de la vidéo. Mmh. Donc, notre équipe à Radio Algérie Multimédia, elle enregistre tout ça, bien sûr, c'est travaillé et tout ça, et c'est mis gratuitement, bien sûr, à la disposition de voilà. tous les médias, puisque nous sommes une radio de service public, ce qui est très important. Ça veut dire que notre premier devoir, c'est de donner de l'information aux citoyens. Le citoyen, lui, de son côté, son devoir, c'est d'aller s'informer, et aussi son droit, c'est d'être informé. Oui. Voilà, donc c'est, si on veut construire un pays démocratique et d'État, la base, c'est de tenir les citoyens, d'être informés de tout ce qui se passe dans leur société, dans leur milieu. Il y avait aussi une particularité, c'était le zapping de la radio. Exactement. C'était le rendez-vous qui permettait donc aux autres chaînes de reprendre l'actualité. Donc sur les différentes ondes. Vous, est-ce que ça vous pousse plus à faire des efforts, à être plus présent concernant les enregistrements, les diffusions? Alors, si j'ai bien compris, nous, au niveau de notre service, on avait le zapping. Ce qu'on faisait, c'était aussi de prendre, par exemple, quand il y a une émission d'information comme ça, filmer. Alors, les gens, ils ne vont pas écouter... Parce qu'aujourd'hui, les gens, tout le monde est pressé. On ne va pas rester là à écouter la radio, à regarder la télé. Mais il faut donner du concentré, aller être rapide et efficace. Donner l'essentiel, l'information essentielle à l'auditeur. Alors, ce qu'on faisait, par exemple, sur une émission qui dure 20 minutes ou 30 minutes, on parcourt et on tire l'information essentielle, peut-être en 2, en 30 secondes ou en une minute, tout au plus, et la mettre sur les réseaux sociaux. Et voilà, d'où le rôle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est très présent sur Twitter, c'est ce que j'ai pu voir. Ouais. Aussi plus que sur Facebook. Sur Facebook également aussi. Alors sur Facebook, vous avez plus de 300 000 abonnés. C'est quand même énorme. Et puis, je parlais du classement tout à l'heure, BDA. Figurez-vous, bon, l'Algérie, on est les premiers à être donc à l'écoute de Radionet, mais la France en deuxième. En troisième, il y a le Maroc. En quatrième, le Canada. Et en cinquième, les USA. Et en sixième, il y a la Grande-Bretagne. Voilà, là où il y a beaucoup d'Algériens, qu'on salue d'ailleurs, qui sont à l'écoute, je suis sûre. Concernant les langues que vous pratiquez dans Radionet, il y a le français et l'arabe. Est-ce que vous comptez vous diversifier un peu, apporter un autre contenu en espagnol, par exemple, ou en anglais aussi? Tout à fait. Donc ça fait partie de nos projets. Donc pour le moment, le site, il existe en deux versions, en arabe et en français. Et nous avons aussi le projet d'avoir une autre version en tamazight et en anglais. Donc ça, c'est en Donc avoir plus, avoir plus d'éléments, Yasmine Ferchouche. Eh bien certainement. Évidemment, parce que là, je vous dis pas, oui. Nous sommes une équipe très très réduite. Et voilà, parfois, c'est frustrant de voir tout ce qu'on peut donner et qu'on n'arrive pas. Alors, on parlait des internautes auditeurs qui, donc, maintenant ne se contentent plus du son, de la voix, mais il y a aussi l'image. Alors, chaque journaliste devient son propre média. Vous, c'est ce que vous permettez à vos journalistes, à votre rédaction. Vous leur dites, vous pouvez filmer et apporter du contenu que vous allez après mettre en ligne. Est-ce que vous le faites toujours ? Alors, le service, il est composé en trois parties. Il y a la rédaction arabophone, il y a la rédaction francophone. Nous avons le service technique qui produit des vidéos et ceux qui justement, puisque aujourd'hui, alors dans d'autres pays, on parle maintenant de radiovision. Ça veut dire que dans tous les studios, il y a des caméras. Donc l'animateur, il arrive, c'est comme s'il passait, enfin,
effectivement, ils passent en direct sur. C'est pas du narcissisme. Du tout. Voilà. Écoutez, pour juste dire à certains Facebookers qui pensent que mettre les photos ou être filmé, parce qu'on s'aime beaucoup, non. Ça, c'est un message aux Facebookers. Et donc, pour la vidéo, nous avons effectivement nos propres productions. Nous avons plusieurs journalistes qui produisent, qui sont sur différentes rubriques. Par exemple, je ne sais pas si je peux citer, Lilia Medjawi qui faisait un certain temps Wujuh Ida'iya. Oui. Ça veut dire que avant l'avènement des nouvelles technologies, l'auditeur il est habitué à des voix, de belles voix qui nous bercent comme ça, comme celle de Badia Ahdad les matins. Tous les matins, je berce. Voilà, on les connaît, on les écoute pendant des années et souvent, parfois, les auditeurs sont curieux aussi qui cette personne. Voilà, on se fait des idées, tout ça. Et cette rubrique-là qu'assurait Lilia, c'était de donner l'autre face de la personne qui... Elle y est encore la rubrique ? On la voit plus ? Ah, d'accord. Oui, c'est pas très visible. C'est-à-dire, il faut vraiment aller voir sur le site, sur radioalgérie.dz, il y a une rubrique YouTube. Donc, puisque nous avons notre propre chaîne, alors si on clique sur YouTube, on trouvera différentes rubriques. Pas seulement, puisqu'il y a une autre rubrique qui s'appelle Anna Jazairi. Tout à fait. Alors, ça, c'est pour promouvoir un peu ce que font nos jeunes. Oui, ça, c'est pour donner de l'espoir, c'est pour parler concrètement des exemples, c'est des success stories des jeunes Algériens. Pour nous faire rêver un peu. C'est pas du tout. Qui ont de la volonté, qui sont audacieux, qui réussissent parce qu'ils croient en leur projet. Et vous les voyez tout jeunes, tout contents d'avoir. Ben, certainement, tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Il y a un parcours. Mais c'est des jeunes qui se sont battus, qui ont réussi leur projet. Ça se fait par votre rédaction. Tout à fait. C'est des jeunes ciblés c'est des exemples de réussite qu'on va. On les interviewe pour faire des entretiens et filmer et voir concrètement qu'est-ce qu'ils produisent et quel est le résultat. Et quel a été leur parcours aussi. Tout à fait. Si ça peut encourager d'autres jeunes. Et je vous invite à visiter, c'est vraiment des exemples à suivre. Magnifiques. Alors, comment se fait le choix de sélection par rapport aux émissions phares? Comment vous décidez à mettre tel ou tel programme sur le site? Vous imaginez qu'on ne peut pas faire tout, puisque c'est 56 chaînes et c'est H24, donc il y a un choix. Alors, on priorise l'information. Donc l'actualité. L'actualité. Mmh. Et entre nous, puisque on est seul, la personne nous écoute. Non, pas du tout. Non. Non. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook. C'est une affaire que je vous assure. Donc il y a un accord pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a un accord entre notre direction et les différentes chaînes de faire une sélection. On va dire pour chaque chaîne, le premier responsable de la chaîne, il dit cette émission, elle est importante parce que ceci, cela. Donc on prend 2-3 émissions. Et puis, on ne se limite pas aux news et aux journaux parlés, tout ça, parce que parfois, dans certaines émissions, même celles qui ne sont pas reproduites sur le net, parfois, il y a une information capitale qui passe comme ça, qui n'est pas forcément reprise. Une sorte de veille média, en fait. Exact. Vous faites attention à tous ces petits détails, puis vous les reprenez. Tout à fait. J'ai une question de Yazid qui vous dit, concernant les radios locales, donc régionales, quand est-ce qu'on pourra avoir des vidéos de journalistes qui nous rapportent un peu des infos sur le développement local ou bien sur le patrimoine de la région en question? Alors, jusqu'à maintenant, c'est très important, les radios régionales, locales. Et moi, je salue tous mes collègues sur tous les territoires nationaux qui font un travail extraordinaire, mais qui, pour le moment, ne sont pas très visibles. Donc, dès qu'ils auront chaque radio, elle aura son propre site, ils auront plus de rayonnement. Mais pourquoi je les félicite? Parce qu'il y a des collègues, de jeunes journalistes qui prennent l'initiative de créer des pages Facebook, de mettre des vidéos. Ils sont actifs. Ils font appel à vous. Et vous sollicite. Alors, nous sommes en contact, évidemment. Oui. Dès qu'ils jugent qu'une information, elle est importante au niveau régional, qui peut avoir une... Enfin,
qui a un impact. Donc on est contacté par, évidemment par mail, parce qu'il y a une boîte de là. Mm-hmm. Et vous aussi, pouvez la donner hein, d'ailleurs, s'il y a des journalistes qui nous écoutent. C'est en interne, hein, c'est les radios régionales qui nous envoient. Et aussi, évidemment, on est en contact permanent et ils nous envoient parfois leurs produits pour les mettre en valeur. Et voilà, donc avant, il y avait chacun prenait l'initiative de faire sa page Facebook. Alors la nouveauté justement, oui. c'est que depuis un moment, on a donné un modèle. Donc nous, c'est-à-dire on a donné le même modèle. Donc vous, Radio Algérie Multimédia. Identifié, c'est clair que c'est le site de la radio et non pas des initiatives personnelles comme ça. Avec le sigle de la radio évidemment pour ça dire que c'est bien identifié. Juste un petit mot, un peu plus, on n'a pas eu d'infos sur la chaîne YouTube Yasmina Ferchouche. Mm-hmm. Vous l'avez annoncé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette chaîne? Alors, il y a différentes rubriques. À part celles que j'ai citées, il y a aussi les activités de la radio. Par exemple, on a beaucoup d'activités dans l'auditorium Issam Saoudi. Mm-hmm. Il y a parfois des concerts, il y a des journées nationales de certaines ambassades qui présentent leurs activités. Il y a la célébration, des célébrations, des commémorations. Il y a même, comment elle s'appelle, la chorale de la radio. Oui. Donc, beaucoup d'activités de la radio qui sont mises en valeur à travers la vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commémorations, beaucoup de célébrations qui sont reprises juste après, bien sûr, parce que vous assistez, vous faites la couverture, puisque vous êtes un média, et que vous remettez après en podcast aussi sur le site de la radio. Je voulais, je ne sais pas si vous permettez, je voulais revenir. Mettez-vous juste face au micro, Yasmine. Oui. Mmh. Alors, ce que je considère important, c'est notre présence sur Twitter surtout. Alors, nous avons. C'est surtout depuis 2016, 2017, 2013, je pense aussi, on a une très forte présence sur Twitter. Et alors, on est arrivé, ce qui est important, à créer des tendances, c'est-à-dire un thème qui revient souvent. Et ce qui est important aussi, c'est la qualité des followers. Mm-hmm. On est suivi, on est de plus en plus suivi par des institutions, des médias algériens, bien sûr, mais aussi étrangers. Mm-hmm. Donc, souvent, publications. Nos publications sont reprises par des médias étrangers. Nous sommes suivis aussi par des personnalités et des centres de recherche. Donc plus sur Twitter, sur ce réseau, que sur Facebook. Il y a un effort considérable qui est fait sur Twitter. Bon, Facebook, c'est déjà parti. Alors Twitter, nous avons 150 000 followers sur le site en français et 285 000 sur et ils sont en augmentation, puisque par rapport à l'année dernière. Et surtout aujourd'hui, un millier par jour. Super. Voilà. Mmh. Et aussi, je voulais souligner le rôle très important de Jamila, qui est Community Manager, qui est là pour répondre. Justement, l'important, c'est l'interactivité. Donc, on a beaucoup de réactions et de toutes parts. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache répondre calmement, gentiment, correctement, et pour que les gens sentent qu'il y a de l'interactivité. Alors, nous avons... Et c'est important de savoir qu'il y ait réaction. Voilà. C'est ce que nous répondons instantanément aux préoccupations, aux questions.